Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Cochiland. Alors aujourd'hui, nous allons continuer notre carrière sur Farming Simulator. Hop, du coup, je vais relancer la course pour la moissonneuse. Voilà, elle est presque pleine. On va créer la course qui va permettre de vider la moissonneuse. On va chercher le tracteur avec la benne. Ah, il est juste ici. Ah, très bien, il est déjà attelé, c'est parfait. Alors, on va le faire partir d'ici. Voilà, donc là ça va être remorque sur la batteuse. Voilà. Ok. Commencer l'enregistrement. Voilà. Donc là on va le faire passer hop sur la zone de déchargement. Voilà. Et on le fait revenir au champ numéro 19. Voilà. Hop là. Voilà. En plus, ça me marque le message. L'outil a besoin d'être vidé. Donc ça tombe bien. Donc là, on va enregistrer ça. C'est quel champ le 19? Donc on va appeler ça Ben. Ben 19, tout simplement. Voilà. Donc là. Tac, donc après, on va pas mettre recherche automatique. On va lui dire, voilà, cette batteuse-là. Démarrer. Hop, voilà. Donc là, il va aller tout seul décharger la moissonneuse. Dès que la benne sera pleine, pardon, il ira tout seul la vider dans le silo. Et là, il se met en position pour attendre. Donc là, c'est très bien. Allez hop, on va continuer aussi à passer la herse dans le champ, donc on va lui faire démarrer la course. Ah non, là il fait n'importe quoi. On va lui faire point le plus proche, démarrer. Voilà, c'est mieux. Là, il y a eu un petit loupé ici. Bon, ben voilà qui est pas mal. On va commencer à lancer aussi le semoir. Voilà.
Donc lui, ce qu'on a déjà fait, donc là c'est le champ 20, semer 20, on l'a déjà fait, on l'importe. Voilà, démarrer la course au premier point. Donc je vais bien planter du blé. Là, je vais faire démarrer la course. Ils sont pas mal les sons, ils ont. Ça a été amélioré, je pense. Très bien. Alors, regardez faire sa manœuvre. Voilà. Et lui, il est en train de faire sa dernière ligne droite. Voilà. Ah, il veut refaire un passage, ouais, c'est pas bien utile, on va l'arrêter là. J'ai juste à faire manuellement le petit bout qu'il a oublié. Ah oui, je suis sur l'objet. C'est bien. Ouais, c'est la masse qui lève ou qui baisse. Non. Je vais poser la masse. Je la reprends juste après. Voilà. Ça me fait le même problème. Voilà. Voilà. Très bien. Bon, bah, j'ai mon semoir qui travaille. Ça y est, la benne est pleine.
Ah, je crois qu'il a bugué quand il tourne en rond comme ça. Ah non. Parce que des fois, en fait, il se met à tourner en rond tout seul et c'est qu'il est bugué. La moissonneuse est repartie. Bon, bah très bien. Ok, donc là par contre, ce qu'il faudrait que j'aille acheter, hop, c'est quelque chose pour épandre de l'engrais. Alors, est-ce que des fois j'aurais pas déjà retour au magasin? Non. Hop, je le ferme, c'est aller au magasin. Démarrer. Voilà. Et donc en attendant, je vais pouvoir aller chercher mon semoir. Alors, semoir, non. Épandeur d'engrais. Voilà, on va acheter celui-là. Ah, on a pas assez de sous, on va faire un emprunt à la banque. Oh, j'ai déjà 55 000. Voilà. Très bien. Hop, j'ai un peu plus de fond. On va prendre celui-ci. Acheter. Ok. Là. Et donc, il va nous falloir. Voilà ça. Acheter. Oui. Ok. Hop, on arrête la course. Donc en fait, l'engrais, ça permet d'avoir un meilleur rendement des cultures. Voilà, on charge. Bah, du coup, ça permet d'avoir un meilleur rendement des cultures. Donc, pour la même superficie, en fait, on produit beaucoup plus de graines. Donc, pourquoi je le remplis pas à fond? Parce que tout simplement, dans les options, j'ai mis qu'en gros, quand l'ouvrier il utilise de l'engrais ou des graines ou peu importe. Et eh ben en fait ça me retire de l'argent en fait. Ça m'évite d'avoir à remplir les semoirs ou les épandeurs. C'est pas très roleplay, mais je préfère faire comme ça. Alors nous voilà bientôt arrivés à la ferme. Fermer ça. On a déjà fait une petite moitié du champ, hein. Donc là. Hop, je choisis le mode fertiliser semer. Donc il faut cliquer sur génération d'une course. Donc nous ça va être le champ 20. Voilà. Hop, génération du travail. Très bien. Donc là je fais enregistrer engrais. Sauvegarder. Très bien. OK.
Donc là, j'ai la moissonneuse qui avance et le tracteur qui va se positionner pour vider la moissonneuse. Alors pourquoi je fais du blé? Parce que le blé, ça se vend plutôt bien. Et après, on a du coup les andins, donc c'est la paille qui reste. Et c'est avec cette paille, en fait, je peux faire des bottes. Et vendre les bottes. Ça y est, la remorque est pleine. Le tracteur va aller tout seul vider sa remorque. J'ai cru qu'il allait pas vider. Alors voyons voir les options qu'on peut avoir. Ah, démarrer. On va pas mettre 50, on va mettre 70%. Voilà. Donc ça, en fait, c'est dès que la moissonneuse arrive à 70%, hop, le tracteur avec la benne vient récupérer le grain. Bon, la moissonneuse a bientôt terminé. Je pense encore une passe et ça sera bon. Ah, comme ce champ, il est quand même grand, hein. C'est vrai que je suis pas tellement en face. Oh là là, ça fait des choses bizarres. Voilà. Voilà, dès que la moissonneuse aura terminé. Donc celui-là, je vais prendre chercher. Donc comment on veut qu'il suive les traces de la moissonneuse, on va faire moisson 19. Voilà. Donc on veut pas qu'il fasse le trajet, mais on veut qu'il fasse travail dans les champs. Voilà. Là, on va enlever celui-là. Hop. Arrêter la course. Hop. On va l'enlever de là. Voilà. Thank you.
Hop, démarrer la course. Et voilà, elle récolte bien la paille pour faire les bottes. Bon, bah, c'est très bien. Allez, ramener la moissonneuse. Arrêter la course. Hop, je vais déjà créer la course pour le champ 20. Voilà. Donc, génération d'une course. Nous, on veut le champ 20. Génération. Voilà. Et celle-là, on va l'appeler moisson 20. Voilà. Ça va être le moisson 20. Très bien. Moissonneuse, on va la mettre là. Voilà. Et le camion avec la benne. On va créer aussi la course. Donc là, commencer l'enregistrement de la course. Voilà, hop, je mets un stop. On va enregistrer, on va appeler Ben. Ben. Entrée. Voilà. Lui, on va le remettre à sa place. On n'a plus besoin de la benne. Hop. On va commencer à récolter les bottes. Voilà.
Voilà. Voilà. Allez, dernier passage pour le semoir, et puis on va arrêter cet épisode. Et voilà. Donc ça sera tout pour cet épisode. J'espère que l'épisode vous aura plu. Je vous dis bonne soirée et à bientôt.